Eh bien salut les amis, c'est Karmodon, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui 44e épisode de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Normalement, je n'ai jamais réussi à tenir une série pendant si longtemps sans me tromper de numéro d'épisode. Mais à vous de me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et c'est probablement le dernier ou l'avant-dernier épisode avant d'aller battre le boss de fin. Donc voilà, j'espère que vous êtes excités, moi aussi. Bref, j'ai vu qu'il y avait le dragon blanc ici. Et il faut qu'on récupère une griffe. Dans cette vidéo, on va aussi faire des sanctuaires. Et j'ai noté quelques points sur la map où il faut que j'aille. Je sais pas si c'est régénéré parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de lumière autour de lui. Pourtant, les 10 minutes sont largement passées. J'avais besoin de quoi? De griffes, non? Il y a une dracoroche ici. C'est comme ça, ouais, Dracoroche. Mais après, c'est peut-être juste que j'avais pas réussi à toutes les prendre en fait. Parce que j'en avais peut-être loupé parce qu'en fait, j'ai pas l'impression d'avoir d'autres. Donc écoutez. Où est. Ouais, là, vas-y. Ouah, si! Ok, d'accord. Par contre, qu'est-ce qui est tombé? Attendez, ah ouais, mais c'est en fait, c'était une flèche. J'ai couru après une flèche. Je suis stupide. Waouh, waouh, waouh! Je déteste cette perspective où tu vois pas du tout où est le truc là! Vas-y, je veux pas le louper. Mais je déteste ça. Oh, je pouvais l'avoir. Non, non, non. Je l'ai. Yes. Attends, je crois qu'on peut la prendre en photo par contre. La griffe, il me semble qu'on peut. Ah mais attendez, mais j'en avais peut-être déjà. Bah j'en avais déjà des griffes en fait. Vas-y. Et on peut pas. Et bref. Bon allez, il va falloir que tu améliores ma tunique là. Elle va passer à trop de défense, ça va être trop bien. J'avais reconnu ton parfum. Mon mignon. C'est qui ton mignon? Bon alors ouais, on sait que tu peux aller jusqu'à la résonance maximale. Nouvelle tunique du prodige. Ah par contre j'aurai plus de princesse de la sérénité. Enfin je pense qu'on peut en trouver pas mal de toute façon. Très bien, ça marche. Allez, ferme les yeux. Non, je les garde ouverts. Ah, enfin, par contre je passe quand même la cinématique. Mais on s'en fout, en fait ça servait à quoi de fermer les yeux. Bref, alors on est niveau 2 sur 4. Donc c'est bien. Et qu'est-ce que ça nous demande de plus? Princesse de la sérénité, éclat de croc du dragon blanc. Par contre, ça passe résistance 22, c'est ouf. Sinon, ça demande des ongles d'inox, écailles de Nedrak, d'Ordrak. Ah ouais, d'accord. En fait, ça, en vrai, c'est pas mal. Mais faudrait trouver tous les autres dragons et trouver leurs écailles, vous êtes sérieux? Bon, par contre, en fait, faut trouver les écailles, sauf pour... Parce que là, il va y avoir quand même un des dragons, ça va être un peu différent. Vas-y, je ressens de la chaleur. Alors, griffe de Nedrak, donc... Falloir des écailles de... Eh hey, mais il faut que je retienne qu'il faut... Pour un Nedrak, il faut les griffes et pas les écailles. Que je retienne ou que mon téléphone retienne via l'appareil photo. Il faut aussi que je batte plein d'inox. Je pense que le problème pour lequel on voit pas tous les dragons, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que à cause de la distance d'affichage, ils apparaissent pas forcément. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que genre, ils sont des fois sur la map, mais juste en fait, on peut pas les voir parce qu'ils sont trop loin et c'est un peu relou. En tout cas, les dragons, c'est un problème pour une autre fois. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs points que je voudrais visiter. Déjà, il y a ça... Il y a forcément un boss par là-bas, mais est-ce que je serais assez haut ici? Je suis effectivement très haut, je peux... J'ai pas l'impression de pouvoir aller plus haut, mais en fait, il y avait vraiment quelque chose là-bas. Il y a quand même pas mal de trucs déjà là, puis là-bas. Là, il faudrait que j'y fasse un tour, on dirait qu'il y a un hôtel bizarre. Ah, bah ça lag encore. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est super vaste. Genre vraiment, cette île, elle a l'air gigantesque. Là-bas, il y a un autre truc, mais je pourrais pas y aller comme ça, en fait. Alors, vu qu'il y a un sanctuaire qui doit être par ici... À mon avis, là-bas va être la pierre qu'il faut ramener. Mais en fait, il est où le sanctuaire? Ah, il est là-bas. What? Comment ça? Ça indique quoi, là? Oh non. Ça va pas être compliqué, mais après, s'il va falloir le battre. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je veux quand même y aller, hein. Est-ce que je peux y aller comme ça? Est-ce que je pourrais aller assez loin? Vas-y, pousse-moi! Ah ouais! Ah ouais, ça m'envoie quand même sacrément haut et loin. Qu'est-ce que c'est que cette île? Il y a encore un autre sanctuaire? Comment ça, ce sanctuaire était au niveau inférieur? Ouais, il est probablement tout en bas, mais ça, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait pas parlé d'une mission comme ça avec... Ça me dit trop un truc, en vrai. Déjà, il y a un portail là-bas. Ça, ouais, relativement simple. Est-ce que je pourrais activer le truc là-bas, déjà, sans problème? Vas-y, 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 parce qu'avec la gravité qui est bizarre là, bah c'est bizarre justement. Et mais par contre, genre regardez combien j'ai de graines là. J'en ai 20. Il va falloir que j'aille augmenter mon inventaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce délire là? J'espère que ça va pas me demander de descendre, c'est tout ce que je souhaite. Parce que je veux pas descendre d'ici. Hein. Ça va être un autre sanctuaire en fait, rien à voir avec le précédent. Celui du boss. Il y a une mission à faire avec la lumière j'imagine. Qu'est-ce que vous me montrez? Oh! Les pauvres poissons! Mais non! Ah, je suis désolé, mes refs, les poissons. Mais bah, déjà, c'est pas mes refs, les poissons. Mais il y en a toujours un qui vole, là, regardez. Attendez.
En tout cas, je vous jure, il y a quelques secondes, il était toujours en train de voler, hein. C'était quand même plutôt bizarre. Bon, alors, il chasse ténèbres. Très bien, par contre, moi, je récupère tous ces arrois anciens. De toute façon, ils vont mourir, les amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, hein? On a qu'à les griller, au moins. Par contre, ça insiste pour me dire qu'il y a un sanctuaire au niveau inférieur. Oh! Oh! Il y en a! Des fois, ils sont sous l'eau et des fois, ils remontent. Ah! Eux, ils sont toujours en vie. J'ai pas envie de les épargner. Hein. Alors, on a baissé le niveau de l'eau. Maintenant, on est content ou on n'est pas content? Parce que la vérité, c'est qu'on sait pas vraiment à quoi ça sert! J'ai quand même fait de dégâts, je sais pas trop comment. Ah, bah voilà, le sanctuaire il va être en dessous. À quoi ça servait de retirer l'eau en fait? Parce qu'il y avait aussi de l'eau là-dedans. Bon, par contre, Yunobo, il m'énerve. Hein. Si Yunobo ne veut pas m'aider, on va y aller à l'ancienne. Je peux, hein? Attendez. Ah oui, si c'est bon. Là, je suis en train d'activer un truc. La lumière, elle sert vraiment à quelque chose ou pas? Ah, ça me rappelle des endroits dans Wind Waker. Non, pas dans Wind Waker, dans Ocarina of Time et Majora's Mask. Oh oh. Alors, il va y avoir besoin de la lumière, mais pour quelle raison? Je vois pas grand chose qu'on peut allumer. Bon, dans tous les cas, vas-y, récupère ça. Et donc. Ouais, non, descends. Là-bas, il y a des trucs. En fait, genre, ça fait vraiment pas une très grande portée de lumière. Il y a un truc là-bas. Oh, un coffre! J'y vais. Oh oh oh, c'est quoi? Miroir x3. Ah ouais, d'accord, ok, un peu abusé. Par contre, en fait, je suis en train de me dire un truc. C'est que... Bah, je peux faire ça, sinon. Vas-y. Bah ouais, en fait, ça ne sert pas que dans les souterrains, ça. Enfin, techniquement, c'est aussi un souterrain, ça. Donc. Un souterrain aérien. Ouais, c'est un nouveau concept. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc, ok. J'imagine que je vais devoir, de toute façon, à la fin, faire briller un truc. Donc je pense que aller de miroir en miroir, c'est pas une mauvaise idée. En fait, ils doivent nous donner des miroirs, genre si t'as fait le con. Parce que si t'as été débile, bah, genre il y a moyen que tu aies jeté les miroirs dans des endroits où tu peux pas les récupérer. Genre dans l'eau, bah tu peux les récupérer comme dans l'eau. Bon bref. Où est-ce qu'on va là? On est tout au bout, il y a l'air d'avoir rien de spécial à allumer ou quoi. Attendez, comme d'hab... NON! C'est pas ça qu'on veut. C'est une graine lumineuse géante. Ok. Ah, mais il y a encore un autre passage là. Vas-y. Heureusement qu'on avait des graines lumos, hein, parce que sans ça, c'était un peu aléatoire. Je sais pas, j'ai même pas l'impression qu'on est en train d'activer un mécanisme. C'est peut-être juste pour progresser en vrai. Ah non, il a l'air d'avoir bien un mécanisme. Par contre, il va falloir un miroir. Fallait quand même pas que je ramène le miroir depuis le début. Ah mais lui, il en a peut-être un miroir, attendez. Salut. Ah mais il en a un. Exactement, merci. Bon, sinon j'en avais dans ma réserve. Hein. Mais tant qu'à faire. Vas-y. Et là... Ah ouais, non, dans l'autre sens. Il se tient pas très droit, mais c'est pas grave. Oh, ça a marché quand même, ok. Ah, mais là, j'ai rapporté la lumière. Hein. Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Je m'ouvre juste un passage pour... Mais attendez, mais en fait, j'aurais pu juste sauter. Après, fallait le savoir. Hein. Et je ne le savais pas encore. Mais c'est un sanctuaire, là? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une autre machine à gacha, là. Et... Le sanctuaire est ici, ok, let's go. J'imagine encore une fois que ça va être une bénédiction, vu qu'il y avait une petite énigme pour arriver jusque là. Et bah effectivement, c'est exactement une bénédiction de Raoru. Mais j'ai l'impression genre le tiers des sanctuaires, c'est des bénédictions. Qu'est-ce que ça donne? Oh, wow! C'est rare qu'on ait des trucs aussi chers, genre aussi précieux et rares dans les bénédictions. Souvent ils nous donnent des boucliers ou des armes qui sont puissantes, mais bon, on n'a pas de place. Mais une fois on a vu un diamant. Et là, genre ça, c'est nickel. Bon, on continue dans cette zone parce qu'il y a un boss pas loin. On l'avait vu. Il est pas là-bas quand même. Ah, il est là. Et je pense qu'il va aussi donner une bénédiction. Juste, je vais récupérer dans le gacha, là, qu'est-ce qu'on a. Par contre, genre j'ai quand même une fâcheuse tendance. C'est où? À faire utiliser au lieu de faire prendre. Ce qui fait que genre j'ai plein de batteries d'avance. Alors que ça sert à rien. J'ai plein de batteries jaunes. Enfin bon, bref, vas-y, vas-y. Là, par contre, ça fait très longtemps, depuis les lance-glaces, en fait, qu'on a rien de nouveau. Pourquoi ça m'a... Oh, bah, ça m'en donnait peu. Ouais, de toute façon... What? J'allais dire, on les a tous eus. Et bah non, encore une fois, je suis surpris, on n'avait pas eu les ressorts. Allez, toi, on sait très bien qu'on t'a jamais battu. Vas-y. Je pourrais juste lui voler le truc et me barrer. Mais je préfère le combattre. Par contre... Wow! Golemax ultime. J'en ai déjà battu des Golemax ultimes, on est d'accord? Attendez, par contre, ça va être bien relou. En fait, je dis ça juste pour savoir si je dois prendre une photo ou pas. Et effectivement, je ne dois pas. Alors... Golemax ultime, où est ta tête là? Enfin, où ton cœur? Wow! On sait pas trop quoi. Ok, vas-y. Faut juste le... Ah, c'est juste là, mince. Et ça s'est mis à un endroit inaccessible, génial. Allez, allez!
On l'a. Ok, bon. Alors, par contre, je fais pas énormément de dégâts. Hein. Est-ce qu'on peut faire amalgame avec ces blocs? Je pense pas, ça serait pété. Qu'est-ce que... Oh, oh. Nickel, il va s'envoler ou pas? Non. Ah, je préfère quand il fait ça... Ah, bah non, c'est dit juste là. Non. Oui, 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 oui. Ok, je préfère quand il fait ça que quand il s'envole, mais... Super. C'est sûr qu'il va s'envoler un moment. Allez, allez, allez. Mais quoi? Pourquoi j'ai fait que tomber, là? Il s'envole. Oh, non. Alors, les amis, ça, c'est bien relou. Attendez. J'attends que ça s'avance, mais pas trop. Parce qu'après, quand ça se retourne, c'est terrible. Oh! Pour une fois que j'ai bien fait. Waouh, 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 waouh! Me fais pas monter si haut, là. Genre, c'est pas possible. Est-ce qu'on reçoit des dégâts de chute quand on est en gravité, genre, ralenti? Oh, ouais. Ok. Haha. Ouais, très bien. Oui, ah, c'est bon. Je voyais plus sa tête. Je suis pas sûr qu'on arrive à le tuer, là. Il va se reformer... Voilà, c'était sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il se renvole pas, hein. Oh, il refait. En fait, il a que 3 phases. Donc, 3 phases, c'est déjà bien trop. Oh, 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 oh. Non! Je l'avais trouvé et j'ai réagi trop tard. Et maintenant? Bah. Ok. Ah, ici. Mais non! Ça m'énerve! Je le détecte au moment où. Ah, 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 c'était au pied. Bah oui, mais sauf que ça va encore. Ah non, ça s'est pas décalé. Merci, mes potes. Alors, ils servent souvent à rien. Mais ça leur arrive une fois tous les 50 ans de servir à quelque chose. Alors avec quoi je vais fusionner ça là? J'ai quoi comme arme? Mon épée de légende elle est bientôt morte donc on va peut-être éviter. En vrai, je sais pas trop hein, ça. Vas-y. En vrai je pourrais le mettre à ces armes là mais j'ai honte de les utiliser en fait. Enfin honte que... Bah, non faut bien que je les utilise à un moment, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un truc pour faire remonter le machin. Un truc pour faire remonter le machin, très précis, Kirwendo. Par contre, c'est soit un sanctuaire, enfin un caillou de sanctuaire, soit un plan. Et donc là, on a, enfin, genre une map de trésor. J'aurais bien voulu une map de trésor. Allez, c'est parti pour amener le sanctuaire là où il doit être. Le gros problème de ça, c'est qu'on peut pas l'éteindre. Et genre... c'est un peu n'importe quoi. Wow, par contre, j'ai quand même bien géré mon truc. Hein. Très bien, bon, bah alors, c'est reparti pour avoir... Une nouvelle bénédiction en théorie. Et j'avais raison, ce qui n'a rien d'étonnant, je m'appelle littéralement Kirwendo, je sais tout. Wow! Non mais j'aime trop ça. Je tiens à vous signaler qu'on peut bientôt avoir 2 cœurs. En fait, j'ai même plus besoin d'aller chercher mes cœurs. Je pense que j'irai juste avant d'aller battre le boss final, parce que de toute façon, là, on est tellement bien. Mais je me sens pas encore prêt au niveau de mes tenues et tout. J'ai quand même l'impression qu'il m'en faudrait un petit peu plus. Alors, on va aller là. Parce que j'ai marqué, voir si j'ai pas déjà battu le boss. Et ensuite, il faudra aller aux 2 trucs qui sont là-bas. Donc là, ouais, normalement, c'est un autre espèce de giga truc machin. Oh, oh, un dragon. Alors maintenant, les dragons c'est tellement important que je vais plus me faire prier et je vais y aller directement quand je les vois. Le problème c'est que là je peux pas vraiment en fait, faut que je mette le talisman là-bas et après j'y vais. Allez, mets-le là, très bien. On peut en profiter aussi pour retirer celui qui est là, ça sert plus à rien. Et il faut qu'on aille voir ce dragon. Mais attendez, mais c'est encore le dragon blanc? Mais en fait, genre, je suis condamné à toujours retrouver le dragon blanc. Il me semble en tout cas que j'avais besoin de ses crocs, c'est ça? Mais vraiment, depuis plusieurs épisodes, on est en train de dépecer Zelda de toutes les manières pour faire de meilleures tenues, mais bon. Après, elle a oublié qui elle était, et c'est pas grave. Puis il y a des petites dracoroches qui sont apparues, c'est bien. Alors, ma belle, on est encore là pour t'embêter, hein. Je suis désolé, mais attendez, mais... Comment? Faut tirer dans la bouche? What? Ça marche? Ok, et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je récupère quoi? Une écaille du dragon blanc, bah c'est pas ça dont on avait besoin, wesh. Bon bah retournons là où il y a le boss. Hein. Alors mon pote, normalement toi on t'a pas battu. Hein. Non, non, j'avais vu où c'était. Golemax ultime, oui, non vaincu. Bon bah bien sûr, je pourrais pas l'attraper. Parce qu'il était... Oh, si tu le mets juste à côté, il n'y a aucun problème. J'ai quoi comme arme? Ah, j'ai ça. Je sais que ça me nuise. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, ça c'est bien. Vas-y, ça fait trop de dégâts. Par contre, il y avait pas un coffre? Attendez, je peux pas battre un Golemax et qu'il n'y ait pas de coffre. Il va bien y avoir un truc qui va tomber à un moment. Oh, oui, 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 je l'ai eu direct. Par contre, je pense que je réussirai pas à le tuer là. Et qu'il va faire sa dernière phase où il va s'envoler. Ça m'énerve. Ouah, on lui a fait grave mal, mais c'est pas suffisant. Et là, monsieur s'est envolé. Alors, on va faire la même chose. Donc là, je l'arrête. Non, non, attends-moi. Oui. Bon, en vrai, c'est simple. C'est juste qu'il faut pas les laisser s'effondrer comme je le faisais. Oui, bon, par contre, la caméra aussi, elle pourrait être un peu plus sympa. Casse-toi si tu veux, t'es mort. Oh, il a même pas eu le temps de se... Mais attendez, mais... Waouh. Ok, trop nul. Cependant, on a quand même pas battu un Golemax pour ne pas avoir de plan. Attendez, mais il y a vraiment rien. Ce Golemax ne sert à rien. Il donne du stuff, mais il donne pas de sanctuaire, il donne pas de cartes, rien. Non, mais là, je me sens trahi par le jeu. Hein. Et même en dessous, genre, il y a rien. Waouh.
C'est une honte! Bon, bah maintenant il nous reste ces deux trucs-là. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que j'avais mis très en hauteur le point de téléportation. Mais en vrai, je crois que c'est vraiment très très haut les trucs où on va. Bah là, en fait, ça va. C'est juste que. En fait, c'est loin. Mais c'est pas haut. C'est juste que par contre, si je vais au truc en bas, genre ça ira pas. Mais il y a quand même pas moyen, genre. Je sais pas si j'aurai assez d'endurance. Est-ce que j'ai de quoi en regagner? J'arrivais pas à mettre pause. Non, j'ai rien qui me donne de l'endurance au cas où. Bon, après, j'ai un point de téléportation. Donc, si ça marche pas, on se TP, hein. Il y a aussi le gros bloc là à gauche. J'aimerais bien y aller un moment. Heureusement que j'ai le petit anneau jaune en plus parce que sans lui, j'y arrivais pas. Déjà, là, c'est même pas sûr. Attendez, par contre, genre, la boule, c'est elle qui est la plus. Mais attendez, mais est-ce que je vais y arriver? Je devrais peut-être essayer d'aller en bas, non? Attendez, là, je commence à stresser, hein. La boule, elle est prête, mais je pourrais pas. Dans tous les cas, je suis trop bas. Ouh là là, ouh là 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 là! Ouh là là! Attendez, je peux y arriver là? Et c'est chaud, c'est chaud! Oh! Ah, ça c'est intéressant. Il y aura probablement un vœu des sages. Attendez, attendez, non! Il faut que j'y arrive. En plus, je peux pas trop me laisser tomber. Je vais y arriver. Ouais. J'y suis, j'y suis. Oh, oh mon dieu, c'était chaud! Ces blocs-là se bougent? Mais je vais en faire quoi? Les faire tomber. Mais pourquoi? Bon, tout de même, je vais placer un bloc de téléportation. Parce que. Enfin, une amulette de téléportation parce que je ne sais pas. Enfin, si je tombe, genre, je serais dégoûté. Puis je vais même en profiter pour descendre. Même si en vrai, je suis pas sûr que descendre soit utile. En fait, je pense que descendre. Enfin, c'est juste que quand tu arrives, en fait, t'es censé être plus bas. Parce que genre, c'est compliqué. Ah bah non, mais il y a bien un sanctuaire ici. Ah oui, mais peut-être que ça va être. Genre dans la boule. Je comprends pas trop. Parce que là, il y a un truc pour avoir un sanctuaire, j'imagine. Là-bas, il y a aussi un truc pour avoir un sanctuaire. Ah, mais non, ça va peut-être être juste les. Activer les machines qui doivent nous faire sauter. Genre là. Montre. Oui, c'est ça. Je comprends pas pourquoi elles étaient pas activées. Attendez, va quand même pas falloir que je fasse monter les blocs. Je sais pas pourquoi je ferais ça. Et genre, ce serait difficile de bien viser. Attendez, non, 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 on fait pas monter les blocs. Hein. Oh, imaginez, c'est ça qu'il faut faire. Oh là là. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être bien orienté pour qu'on puisse le faire. Île de la carrière. Ah, bah oui, ça va peut-être être lié, hein. Il faut faire monter les blocs. Genre, je mets ça là. Et là. J'aurais peut-être dû un peu. Oh! Non, ça monte pas assez haut. Ça m'intrigue quand même ce gros cube. En fait, c'est pas vraiment un cube. Genre, il ressemble pas à un cube. Bon, alors, vas-y, dis-moi où c'est. Et c'est donc bien. Ah ouais? C'est pas dans la boule, ok? Bon, en tout cas, tout ça va nous aider à monter. Mais ouais, en fait, j'étais tout là-haut pour rien. Enfin, genre, j'aurais peut-être déjà pu récupérer le truc. Attendez, mais ça m'a fait monter grave haut en fait. Pas suffisamment pour aller directement au machin. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui à pas trouver mes mots? Genre le truc, le machin, le bidule, wesh. Je pourrais me servir de la plateforme, mais bon, ils l'ont tué à ma place. Mais je préfère monter comme ça, c'est quand même grave plus stylé. Est-ce que c'est assez haut? Ah bah oui. Je peux y aller après, genre en escaladant, tout simplement. Par contre, comment je vais faire tomber le truc? Genre juste, je vais le faire tomber, c'est tout normal. Mais à quoi servent les gemmes Nox? J'en ai plus aucune idée, ça m'a l'air tellement nul. Et j'en récupère plein. Voilà, voyons voir si ça fonctionne. Quoi? Ok. J'ai un petit doute, mais on sait jamais. En fait, je sais pas si. Genre. Vas-y. Ça m'a l'air pas mal en effet. Et donc c'est sûrement reparti pour avoir une bénédiction. Et voilà! Avec un diamant, encore une fois? Ou imaginez un vœu des sages. Genre là, il me donne un vœu des sages. Non, mais un diamant, moi je veux bien. Ou plein de flèches, genre 1000 flèches. Un rubis, bon, c'est un diamant beaucoup moins bien. Alors maintenant, on va aller dans la boule. Parce que là-bas, il y a sûrement un vœu des sages. Et en vrai, ce serait bien qu'il y ait aussi un autre sanctuaire, mais ça j'en doute. Allez, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien qui s'allume. De Gabba de Sanctuaire. J'ai l'impression que ça commencerait à faire bip bip bip. What? Ah non! Ah non, vous allez quand même pas me demander d'amener des cailloux ici, hein? Oh, ils vont me demander d'amener des cailloux ici. Avant de s'exciter, essayons de voir déjà si je peux rentrer dans le truc inférieur. Donc, si ma théorie est correcte, et on n'en sait absolument rien, et ben, ça va être normalement en symétrie. Genre là, il devrait y avoir le trou. Je sais pas si je peux rentrer dedans quand même. Oh, bah, comment ça c'est bloqué? C'est de la triche. Mais est-ce que ça marche? Parce que tout à l'heure on en avait mis un et ça avait pas l'air de fonctionner déjà. Waouh. Pas comme ça. Vas-y. Ah mais là c'est peut-être un petit peu trop sur le côté. Mais parce qu'en fait, genre. Oh!
Je l'ai bougé alors que c'était bien orienté. Quel stupide crétin je fais. Enfin, je dis ça, mais est-ce que... Non. Est-ce que j'en ai besoin de deux? Rien me dit qu'il y en a besoin de deux, hein. Peut-être qu'il y en a besoin que d'un seul. Et voilà, bravo à moi. Par contre, s'il y en a besoin que d'un seul, et que je l'ai mis dès le début... Ah, mince. Genre, du premier coup, je suis quand même trop fier de moi. C'est quand même trop dur, hein. Comment j'ai fait pour viser correctement du premier coup et maintenant me ramasser à chaque fois? Oh, comment c'est chaud de viser correctement, je comprends rien. Et quand je loupe, je peux les faire revenir. Ah mais ouais! Comme ça, je peux réessayer avec le même cube. Et j'ai pas besoin à chaque fois d'aller chercher plein de cubes et genre jusqu'à finir par ne plus en avoir. Et là, ça m'a l'air parfait! Non! Les nuages? Et ben en fait, on en saura... Ah! Quand je pense que je suis en train de m'écharper pour en faire entrer un autre, alors que c'est peut-être déjà bon... Oh! Oh non. Bon, j'ai la flemme. Je vais voir de toute façon si c'est bien. Mais à mon avis, ce sera pas suffisant. D'ailleurs, il est où le mien? Ah bah il est juste là. Parce en fait, ça m'a l'air tout petit par rapport à ça. Vas-y. Si! Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Attendez, il y a un truc avec la lune. Attends, mais je peux sortir d'ici? Que fais-je? Je comprends pas bien en fait, genre je dois sortir d'ici. Attendez, je vais remettre un talisman. Et maintenant essayer de rentrer par le trou que j'ai fait. Déjà il est où? Ah, là il y a un trou, vas-y, vas-y. Mais c'est quand même un peu bizarre cette épreuve. Et c'est pour un vœu des sages, j'imagine. Alors je suis pas sûr que c'est ça qu'il fallait faire. Mais on va dire comment ça a marché, ce qui est pas mal. What? Genouillère de sonium? Forgée dans le sonium, cette genouillère prolonge la durée d'utilisation des artefacts sona ou à jauge d'énergie? Sérieux? Eh mais ça c'est pas mal! Mais par contre voilà, on a fait... Ah non, on n'a pas fait tout ce que je voulais faire! Je voulais aller là. En tout cas, ça m'a l'air beaucoup trop loin. Je pense que je vais plutôt aller là. D'ici. Alors, on va construire ça. Ça coûte énormément de sonium, j'en ai plus... Bah oui, si. J'en ai plus du tout. Il faut que de toute façon, dans la prochaine vidéo, j'aille dans les souterrains. Hein. Bon après, genre... La prochaine vidéo, j'irai chercher des trucs dans les souterrains, je pense. Mais le sonium, ce sera pas ma priorité. Parce que de toute façon, le 100% du jeu, c'est pas tout de suite qu'on va le faire. Vas-y, et là. J'espère que ça va être bon. Dans tous les cas, non. On va se renvoler. Et nous, on va essayer d'aller... Où exactement, en fait? Juste là. Mais attendez, mais l'endroit où je veux aller après, c'est encore plus haut. J'aurai pas assez de sonium. Je mettrai un point de téléportation, je pense, puis on avisera. Là, mon truc va disparaître, ouais. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on est suffisamment prêt normalement. Est-ce qu'il va y avoir un boss? Ça ressemble bien à un endroit à boss, ça. Hein. Je sais pas si je vais d'abord en bas et que je vais au sommet. En vrai, je vais peut-être d'abord aller en bas. Parce que de toute façon, je pense que cette île, il faut la prendre par le bas et après, il faut monter, puis il y a peut-être des coffres et tout en dessous. Par contre, ça ressemble pas à un boss, ça. On verra bien. En vrai, c'est étrange, hein. Je vais peut-être faire l'inverse. Ce sera sûrement plus simple. Mais parce que c'est bizarre, là. Genre, cet arbre... Bah, non. Il paraît si suspect. Genre, il a une forme qui paraît pas très naturelle. Oh, c'est juste un Korogu. Attendez, j'ai fait tout ça pour avoir un Korogu. Non, il y a forcément plein d'autres choses par ici. En plus, mon détecteur s'excite même pas. Donc on dirait qu'il n'y a même pas de sanctuaire, c'est bizarre. Allez, en tout cas c'est le truc le plus haut. Attendez, il y a un autre truc là. Ah ouais? Mais avec rien du tout. Par contre j'aime pas du tout la brume et la luminosité, là on voit rien. Oh! Ah d'accord, il va falloir trouver un moyen d'ouvrir ça. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des trucs dans toutes les espèces de tours. Mais alors comment y rentrer? Je sais pas trop. Genre là... peut-être qu'ici je peux faire... Ah, ok. Non, mais c'est peut-être au niveau du sol. Vas-y, on peut faire une infiltration, là? Ah, j'ai peur que je tombe, hein. À mon avis, je vais tomber si je fais ça ici. Oh, what? Pourquoi il y a ça? Là, c'est peut-être justement pour nous permettre de faire une infiltration, hein. Par contre, je pense que ouais, bah déjà, là, on peut pas faire d'infiltration. Mais ici. C'est bizarre, la forme de cette île. On peut monter, là? Ouais, mais je pense que je vais remonter... Alors, déjà, j'ai pu... Ok. Et là, je pense que je vais juste remonter à l'étage où j'étais, en fait. Non, mais c'est toujours pas ce qu'on veut. Genre, c'est suspect. Bon, au lieu de faire n'importe quoi et d'être perdu, ce qui est probablement logique, je vais juste redescendre et voir ce qu'il y a en bas de cette île. Et il y a vraiment rien. J'aurais pas dû faire ça. Parce que là, genre, je suis complètement... Bah, genre, il y a rien.
peux même pas m'infiltrer par ici. Ok, bon, en tout cas, il y a un sanctuaire. Hein. Ok, il y a qu'un endroit, il y a quelque chose. Fallait juste faire le tour de l'île. Donc vas-y, là, je pense que... Ah, mais en fait, il va falloir monter, alors. Par contre, j'ai vu aucun endroit où pourrait se trouver le sanctuaire. Hein. Va falloir traverser par l'intérieur ou quoi? En fait, j'ai pas compris pourquoi il y avait toutes ces tours sur le côté et tout. C'est plutôt étrange. Il y a de l'air qui va sortir de là. Ok, donc je vais devoir remonter. Et là, la grille qui est là-haut va être probablement ouverte. Et va falloir monter pour ensuite éviter les lasers. Par contre, je fais que de trouver des fleurs radieuses, mais des reines de la sérénité, j'en ai aucune. Ça, comment c'est satisfaisant et j'aime trop ce genre de truc. Le pire, c'est que j'ai posé un téléporteur tout en haut. Donc en fait j'ai juste à me téléporter, mais j'aime tellement m'envoler comme ça que genre je préfère faire de cette façon. Et voilà, maintenant on va là-dedans. Faut éviter de se faire... Je sais même pas... Oh, c'est un peu énervant par contre quand ça nous fait remonter. Bon par contre je sais pas si je dois juste... Enfin genre qu'est-ce qui se passe quand tu te fais toucher? Ça appelle des ennemis ou genre ça te tue? Ça te fait des dégâts, j'en sais rien, mais là... Wow! Oh, non 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 non. Il fait pas trop chaud? Il y a de la lave littéralement tout autour. Mais non, la chaleur elle est tranquille. Bon, par contre, ah! Il n'y a même pas tant de chaleur que ça. Je suis choqué. Dans tous les cas, on a vu un truc qui a l'air intéressant. Mais faut que je fasse attention à la lave. Je peux m'infiltrer? Ah, je sais pas si j'y arrive. Je suis peut-être sur les côtés là. Mince. C'est dommage qu'ils aient pas donné de cailloux ou quoi. Enfin, genre de trucs que je puisse placer correctement. Parce qu'en fait, genre, il y a une solution qui est relativement simple. Mais en fait, ça m'énerve d'utiliser ces trucs-là. Alors que regardez le nombre que j'en ai en fait. Genre, je pourrais les utiliser sans aucun problème. Attends, mais j'ai un lance-glace. Il permet également de transformer l'eau en glace. Ah, mais en fait, il jette. Enfin, je sais pas si ça marchera. Bon, comme je sais pas si ça marchera. Ok. Sur la lave, je préfère ne pas l'utiliser. On va plutôt y aller comme ça. Vas-y. De toute façon. Ok, ça c'est plutôt pas mal, non? Je sais pas si ça sera suffisant. On va remettre d'autres trucs là. Là, tu peux te coller. Vas-y. Oh, encore une fleur radieuse. En fait, dans les cieux, il n'y a que des fleurs radieuses. Et en bas, il n'y a que des reines de la sérénité. Mais alors, c'est quoi l'opposé qu'on a? Il n'y a pas genre. Ah, c'est peut-être le truc de la solitude, justement. Et donc là, normalement, ça devrait être bon. Ok, parfait. J'espère que ça en vaut le coup. Parce que j'ai quand même utilisé un de mes trucs Sonao là. Et j'aime pas faire ça. Des flèches. Un veau des sages. What? Mais c'est trop bien! Mais. Par contre, il me manque une partie. Elle va être où? En tout cas, je vais pas repartir sans avoir fait le truc principal de pourquoi on était ici. C'est-à-dire ça, qui sera probablement encore une fois une bénédiction. Mais ça ne me dérange pas. Ah non? Ah non? Oh non! Combat désarmé en apesanteur. Ok, cependant, comment je vais trouver mes premières armes ici? Ouais, parce que bonjour les golems, là. J'ai même pas de bouclier, j'ai rien en fait. Comment? Là, je pourrais peut-être faire une infiltration. Non, en fait, ça peut pas être ça. Je sais pas. Je suis particulièrement choqué. Je vois rien avec lequel je peux les avoir. Ah ouais, d'accord, ok. Ah mais ça explose ça! Ah! En fait j'aurais peut-être dû juste prendre ça et viser un peu mieux en fait. Genre vas-y, je savais pas que ça explosait en fait. Vas-y, vas-y! Ah! C'était pas assez haut pour exploser. Je peux jeter des trucs, mais non j'ai rien. Il y a littéralement plein de trucs, mais avec zéro arme, moi je peux rien y faire. Hein. Oh, c'est une blague? Je me trouve avec un bâton? Alors, il y a peut-être un truc qu'on peut faire justement pour commencer. Déjà amalgamer ça. Et là, en jetant bien. Oui. Et ben voilà! Comme ça, j'en ai tué trois et je vais récupérer leurs armes à tous. Où sont leurs armes? J'ai eu juste un bouclier. C'est une blague. Mais en fait, eux, ils ont pas d'armes. Ah si, il en a une. Tu peux pas me jeter une pierre? Sinon, tape-moi. Ah, ok. Et donc maintenant. Ah, ça lui fait même pas tomber son arme! Ah ouais? Lui, il a un arc, ce qui est pas mal. Mais je peux pas lui renvoyer ses flèches, hein, ça m'étonnerait. Et pourquoi on peut pas ramasser les cailloux? Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Je sais même pas ce que je pourrais faire en fait. Il est très bizarre. Genre, cette mission est très bizarre. Parce que là, genre, je peux faire quelque chose. Mais. Ouais, c'est un peu laborieux, mais ça marche. En plus, j'ai récupéré une arme. Vise mieux. C'est pas grave. Allez, allez, allez! Très bien. Mais j'ai des trucs d'amalgame, mais genre. J'ai enfin une arme. Non! Non! Non!
c'est pas grave. Oh, une autre arme. Yes, je peux remonter. Parce que là-haut, ça avait l'air d'être pas mal, tout ça. En plus, on est un complètement nul. Genre, ok, j'ai plus le laser. Et voilà. Ah non, il va falloir plus de deux coups. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une arme de plus. Ça pourrait m'être utile contre lui. Genre là, je peux le... Mais oh, la gravité comme ça, c'est un peu relou. Est-ce que là, c'est bon? Je suis pas sûr. Et non. Voilà, meurs. Vas-y. Par contre, je vais sûrement récupérer un arc. Mais j'ai pas de flèche. Et il m'en a pas donné, ce rat. Bon, dans tous les cas, je crois qu'il reste plus que deux golems. J'ai des armes, donc... Oula, par contre, ça ne se fait pas. D'avoir fait un amalgame avec cette arme, c'est vraiment pas une très bonne idée. Mais ça va me permettre, normalement, d'éliminer... Oh! Oh! Je voulais utiliser l'arme, moi. Attendez, pourquoi ça n'a pas marché? Non. Ouh. Alors, normalement, grâce à ça, lui, je pourrais l'éliminer assez simplement. Et bah voilà! Et de comme ça, c'est terminé! Enfin! C'était peut-être l'une des plus compliquées de missions de ce genre que j'ai jusqu'à maintenant. Moi qui m'attendais à une bénédiction de Raoult. Alors, vas-y. Un diamant. Le sonium supérieur, ouh, c'est aussi très très bien. On peut pas transformer le sonium supérieur en sonium normal. Bon, dans cette vidéo, j'aurais fait bien plus que ce que je pensais. Juste, j'aimerais bien aller voir... C'est ça, Forêt Kourougou. Ouais, aller voir... comment il s'appelle? Bon, le gars, en tout cas, qui augmente notre inventaire. Noya. Mon gars, permets-moi de porter plus d'armes. J'ai jamais été à court d'arc, jamais à court de bouclier. Par contre, à court d'armes, bah, ça m'est jamais arrivé non plus, mais genre, des fois, j'ai pas envie de les utiliser, donc... très bien. J'ai juste un compartiment de plus, hein. Ça m'amène à combien? Vas-y, montre-moi, là. Ok. Ouais, mais j'en veux encore plus, mais là, ça va coûter combien? Ça coûtait 12. Ça va coûter 20. Au moins 15. Ouais, vas-y. Il m'en faut 17, bah, nickel. Attendez, dans le coin, il y a un sanctuaire que j'ai pas eu. C'est pas incohérent. Est-ce que je l'ai eu, genre, en dessous? Ah, ça doit être là, alors. Ouais, je pense que c'est là. Ah, mais à cause de la brume, je vais pas pouvoir y aller en ligne droite. Ce serait trop simple. Peut-être que si. Je sais pas, j'ai un peu peur d'être téléporté, là. En plus, il est vraiment pas très loin. Non. Oh non, j'y étais. Ah, mais ça me ramène littéralement juste à côté. Je pense que si je passe par en dessous, je vais pouvoir y aller. C'est où, ça? Genre, même par rapport à Tears of the Kingdom, je me souviens pas du tout. Oh non. La difficulté, ça va être qu'il va falloir que je trouve le truc quelque part dans la forêt. Est-ce que je peux y aller en ligne droite? Attendez, c'est juste là? C'est une blague. Mince. Eh, Patouche, c'est à moi! What? Tu vas vouloir quoi en échange? C'est un joli verre pour une pierre, hein? C'est moi qui l'ai trouvé. Et ce rayon de lumière qui en sort, c'est vraiment une pierre pas comme les autres. Donne-la-moi. Hein? Non, tu peux pas l'avoir, c'est moi qui l'ai trouvé. Oh, mais si tu me rends un petit service, je changerai peut-être d'avis. C'est bête comme chou, j'adore manger des pommes d'or. Une jolie pierre, c'est joli, mais ça remplit pas le bidou. Alors je te donne ma pierre en échange de 5 pommes d'or. Tout au bout du chemin, il y a un grand marais, il s'appelle le marais Mido, et dans la partie de ce marais, il y a des arbres à pommes d'or. Mais aussi beaucoup de monstres. Alors en fait, j'en ai... Et j'en ai combien? 7. J'ai quand même allé à son marais. Hein. Et ça me fait pas marrer. Comment on peut ignorer tous les ennemis sans problème? C'est ça son marais? Donc là, il y a des pommes d'or. Ah, est-ce que j'ai déjà eu... Oh non, par contre, faut pas marcher là-dessus, c'est vrai. J'avais oublié. Et ça, c'est bien relou. Mais attendez, mais en fait, maintenant que je suis dans le marais, je fais quoi? Parce que j'en vois aucune des pommes d'or. Faut que je le traverse? Mec, elles sont où tes pommes d'or? Ah ouais! Ah, c'est vraiment un bois où il n'y a que des pommes d'or, c'est ouf. Par contre, je regrette de ne pas avoir laissé un téléporteur au départ, parce que je vais devoir faire le chemin en sens inverse, qui n'est pas dur, hein, mais qui est relou. Et il y avait pile 5 pommes d'or, hein. C'était juste pour se rembourser. Comment c'est menaçant, ce décor. Le bois perdu, il fait vraiment un peu peur. Hein. Encore une bénédiction. Bon, donnez-moi un diamant. Est-ce que les diamants, faut les revendre, ou est-ce que ça peut vraiment servir à des trucs bien? Ah, j'imagine pour des tenues, ils doivent en demander, hein. Épée d'osmium surpuissante. Ah ouais, carrément. Les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que comme d'habitude ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut, de commenter, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve demain pour la suite. C'est très bientôt le boss de fin. Je suis pas encore prêt, mais ça arrive. Salut.